Je suis Bernard Dauvet, dirigeant, directeur de l'entreprise établissement Dauvet SA, batteur d'or à Aix-en-Vex et fondé à Paris en 1834. Je suis la cinquième génération. Alors c'est un métier très très complexe en réalité, qui ne ressemble à rien. C'est un métier qui consiste à réduire en feuilles très très fines des rubans d'or par des phases successives de battage avec des produits très complexes qui ne servent pratiquement que aux batteurs d'or et qui sont de plus en plus rares, de plus en plus difficiles à trouver. C'est un métier en fait qui est très très complexe. La technique du métier, l'art du métier, ça consiste à prendre un lingot d'or, faire un alliage pour rajouter un peu de cuivre pour le rendre plus rouge ou un peu d'argent pour le rendre plus citron ou voire plus vert. Et puis ensuite, donc, laminer. Alors on fait une fonte avec le complément de cuivre et d'argent. Ensuite, on lamine ce lingot qui va devenir un ruban de plus en plus mince. Et quand il est à environ, je dirais, 17 millièmes d'épaisseur, à ce moment-là, on le coupe en petits quartiers carrés qui sont glissés entre des feuilles de papier, qui sont battues. Ensuite, les feuilles battues sont reprises, recoupées, remises dans un deuxième assemblage, donc cette fois-ci en polyester. Et puis, finalement, ça termine sur le banc des ouvrières, ces tables sur lesquelles elles travaillent, on appelle ça un banc. Et là, avec des pinces en bois, elles sortent la feuille de la moule, elles la posent devant elles, elles coupent un côté, et à ce moment-là, les feuilles font, je dirais, un dix millième de millimètre d'épaisseur, un dixième de micron. Depuis la fin de la guerre, il n'y avait que deux entreprises en France. Et si vous voulez, il ne peut pas y avoir de formation pour deux entreprises. Les gens, en principe, c'est un métier dans lequel les gens restent. Donc on forme quelqu'un tous les 4 ou 5 ans, à peu près. On forme sur le tas, on forme dans l'entreprise. Je dirais, il n'y a pas d'institut, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. La clientèle a toujours été française et en partie étrangère. Le cas typique, c'est la Statue de la Liberté, dont la flamme a été faite par un doreur français avec de l'or de chez nous. Mais cet or, on lui a vendu à Paris. Et c'est lui qui l'a emmené à New York. Donc pour nous, c'est une vente en France. En réalité, l'or, il est à New York. L'avenir de l'entreprise, si vous voulez, je le vois quand même, je dirais, un petit peu sombre en raison des difficultés techniques, la concurrence chinoise. Mais en même temps, ma famille s'est toujours investie énormément. J'ai un fils qui travaille dans l'entreprise mais qui lui ne veut pas reprendre. J'en ai un autre qui travaille dans l'entreprise et qui éventuellement veut bien reprendre. Donc je ne suis pas pessimiste, mais le contexte n'est quand même pas facile.